Charlotte, à qui on a demandé de vous offrir, de nous offrir une reprise. Elle a choisi David Bowie, Ashes to Ashes. Charlotte Gainsbourg, dans ta ratata. Ashes to Ashes. Merci Charlotte. Installe-toi, sois la bienvenue. Tu es chez toi ici, tu le sais, je t'en prie. Très belle reprise, choisie d'ailleurs
avec les membres du groupe, avec Conan, comment c'est décidé en groupe, comme ça, en répète, pourquoi pas celle-là, ou il y avait d'autres possibilités? Moi, j'avais envie de Bowie. Ouais. Et puis après, c'est difficile de s'attaquer à des morceaux comme ça. C'est culte. Oui. On a toujours on a l'original en tête. Ouais. On a sa voix et tout. Mais en même temps. Mais Conan l'avait déjà fait. Non, mais il y a une ambiance qui te va bien. On sait que tu aimes bien Radiohead, mmh. David Bowie, tout ça. Ça fait partie un peu de ce même univers. HS to HS, en plus, les paroles vont très très bien avec IRM aussi. Ça aurait pu être l'un des titres ou une cover sur IRM. Et tu t'es bien senti dedans, en l'interprétant? Oui, j'aime beaucoup. Ouais. J'adore ce morceau. Et surtout avec Conan, pour moi, c'était une petite révélation. Très bien. Voici donc cet album. Alors, c'est un coffret dans lequel il y a un live, des inédits, un DVD qui, comment on peut dire ça, n'est pas la captation d'un concert, mais plutôt un film, un suivi d'un concert en partie. Il n'y a pas l'intégralité du concert. Non, c'est. Mais c'est l'histoire. À chaque fois, c'est des morceaux un peu choisis. Je trouvais ça bien que ce soit pas. Qu'on ait décidé de mettre des choses et d'en enlever certaines. Voilà, alors, et puis il y a le livret évidemment, parce que Charlotte Gainsbourg, so classe, so chic, livret photo avec de très très belles photos. Tout le monde fait ça, mais quand c'est toi sur la photo, c'est encore plus classe, c'est encore plus chic. Ça t'y peut rien, c'est comme ça. On l'a ou on l'a pas, tu l'as. Tant mieux. Pour revenir sur le DVD et sur le live, c'est pas pour rien que les deux albums, parce qu'il y a pratiquement deux albums, les inédits et le live, c'est pas pour rien qu'ils sont ensemble, parce que vraiment les titres, les nouveaux titres, dont Terry Bungell, sont mélangés et viennent du live. On a l'impression que tu t'es mise à... T'as un lâcher prise après avoir fait cette tournée, après avoir chanté live. Oui, ce titre, Terrible Angel, c'est vraiment que j'ai demandé à Beck après... avant le Japon, donc avant la fin je crois de la tournée, mais où je savais que je voulais quelque chose de plus dynamique, d'essayer de chanter plus fort, de m'amuser un peu plus, et il a compris ce que je voulais et voilà, il a écrit ça. Il aurait dû faire un tout petit peu plus long, monsieur Beck. Plus long le morceau ? Ouais, parce que le début, il est très justement Charlotte Gainsbourg, on va dire premier, voire deuxième album. Puis tu te lâches, puis ça monte, puis nous on est bien, puis on tape des mains, et on voit même que toi tu kiffes. Il y a le sourire qui vient barrer ton visage, et hop, ça s'arrête. Ça fait encore... C'est bon ? Non, coitus interrompus, quoi. On avait envie que ça... Ah, que ça aille... Au bout, mais c'est bien, on reste sur cette frustration, on se dit ouais, what's next? Alors ça, c'est le seul titre qui a été entre guillemets une commande, parce que est-ce que les autres titres étaient des restes de chansons que Beck avait préparées et écrites pour toi? Qu'on n'avait pas fini. Il y en a une, c'était All the Rain, qui était presque finie, mais Beck n'était pas content, donc il fallait la fignoler, et ça, on l'avait pas eu à temps. Et qu'est-ce que tu as ressenti sur scène? Qu'est-ce que t'a apporté cette expérience de concert qui ont commencé, on le rappelle, aux États-Unis, en passant par des shows télé cultes et mythiques, je pense au Letterman Show, qui doit être quelque chose d'extraordinaire, le vivre de l'intérieur. T'avais les pétoches, ça m'étonne de toi. Je ne te connais pas, traqueuse. Non, mais c'était drôle de commencer par Coachella aussi. C'était un gros festival. C'était du costaud quand même. Mais tu avais besoin de te lancer ce genre de défi, justement, d'aller au maximum des possibilités. Tant qu'à le faire, autant le faire à fond. Non, je me suis pas mis ça dans la tête, mais je sautais dans l'eau quand même. Il fallait que j'y aille. Après, j'ai pas choisi d'aller là ou ailleurs. Je suis allée là où on m'a guidée. Et on t'a invité quand même, ce sont les meilleurs endroits. Mais alors, qu'est-ce que ça t'a apporté comme enrichissement, comme expérience justement? C'était très différent en fait. De commencer aux États-Unis, c'était bien d'être loin de chez moi, parce que j'avais moins de... J'avais peur du jugement des Français. D'être chez moi dans un terrain... Non, mais c'est un raisonnement extrêmement logique. C'est normal. Bah oui, c'est parce que... Je voulais être rodée avant d'arriver où je voulais... prouver le plus de choses. Bien sûr, il n'y avait pas une interview, il n'y a pas un endroit où quand tu te pointais, on disait « alors, par rapport à vos parents, par rapport au passif, ainsi de suite ». Donc il y avait cette espèce de... Oui, et même par rapport à ma timidité, par rapport au fait que j'ai jamais eu envie de le faire et que finalement j'y allais. Voilà, c'était tout un truc que je m'étais mis sur les épaules aussi, mais qui fait que c'était dur de se lâcher. Donc moins de pression aux États-Unis. Moins de pression aux États-Unis, et c'était assez rigolo aussi d'être embarqué dans tous les clichés américains,
de la tournée américaine, le bus, enfin voilà, tous les clichés de Californie, je les ai eus et c'était très joyeux. Alors, puisque tu parles de clichés, ce que tu avais en tête comme étant, même si tu connaissais des coulisses, peut-être des tournées, les concerts, les spectacles, mais de le vivre sur scène, de vivre le rythme de vie de la chanteuse qui va de ville en ville et qui chante, est-ce que ça correspondait à ce que tu imaginais d'une tournée ou est-ce que ça a été mieux, voire décevant rapport à tes attentes de non, la scène. Non, j'ai pas été déçue, au contraire. Et puis à chaque fois, il y avait une magie particulière. Quand je suis revenue en France et en Europe, c'était vraiment magique. Les soirs qui me foutaient le plus la trouille, c'était Paris, Londres aussi. Et c'était les soirs que j'ai préférés, à cause des gens. Hein. Et après, le Japon, terminer au Japon, c'était magique aussi. Donc voilà, ça m'a apporté. Pourquoi le Japon ? Parce que les gens étaient tellement chaleureux et tellement bienveillants, en fait. Moi, j'avais oublié ce qui me faisait tellement peur avant d'oser monter sur scène, c'est que je me jugeais moi tellement mal, tellement durement, que je pensais que tout le monde allait me juger de la même manière. En fait, quand j'ai vu que le regard des gens était, par chance, plutôt bienveillant, et que les gens, en général, quand on va à un concert, on a envie d'y aller. C'est pas pour... critiquer, voilà, forcément. Voilà, c'est ça. On a payé, on rentre, on est déjà conquis. Maintenant, la pression que tu t'es mise, c'était de ne pas décevoir ceux qui étaient conquis et ceux qui avaient envie de venir assister à ton concert. Oui, mais j'ai vu des visages, enfin. Il n'y avait pas juste ma critique en face de moi. Et on a compris donc que cette expérience sur scène a modifié ton envie de chanter et voir le rythme, le tempo et de lâcher aussi ta voix et de te lâcher plus. Ça veut donc dire que les prochaines chansons, les prochains albums totalement studio, puisque celui-là, je le rappelle, est un mélange de live et de quelques inédits, de 8 inédits. Ouais. Les prochaines sont dirigées dans ce sens-là ? J'ai l'impression que je commence à me connaître un tout petit peu mieux, et la scène, ça a servi à ça aussi. Et que je sais, peut-être, je ne suis pas consciente de ce que je veux réellement, mais je me connais, donc j'ai moins à me convaincre moi-même, et j'ai plus à faire gaffe à mes envies, et à... Alors, quelles sont tes envies, justement ? Je vais pas... Non, mais les pistes. Je parlais de Radiohead, par exemple. Vous étiez rencontrés avec Yvan Attal. Alors, au début, c'était pour qu'une musique de Radiohead soit dans la bande originale d'un film. Enfin, vous étiez rencontrés à la fin d'un concert parisien. Est-ce que l'envie de travailler avec Radiohead est toujours présente ? Ou est-ce que tu es trop admiratif de leur boulot et tu n'oserais même pas imaginer ? Je suis très admirative. Donc, c'est vrai que ça fausse un peu... J'étais très admirative de Beck aussi, mais c'est différent. Mais j'en sais rien, je ne sais pas s'ils auraient envie. Mais il faut leur demander déjà. J'ai découvert les 4 personnes que j'ai découvertes après Beck. Ouais. C'était des vraies révélations. Et quand j'ai eu l'occasion de retravailler avec Conan, c'est vraiment une sensibilité qu'il a que j'adore. Donc j'aimerais bien si possible, continuer. Une rumeur a circulé sur Internet comme quoi Paul McCartney aurait écrit une chanson pour toi. Vrai, faux, rumeur. C'est vrai. C'est vrai. Oh. Bon. C'est Polo. Ça reste Polo, quoi. Ça va, quoi. C'est pas... On va se calmer. C'est juste Polo. Et elle est où ? Parce que là, j'ai cherché. Elle n'est pas faite. Non. Ah, c'est-à-dire, donc, il te l'a proposé. Tu as une espèce de maquette. Elle n'a pas été encore enregistrée, cette chanson. D'accord. Tu veux en savoir plus? Oui, je suis lourd. C'est bien de garder un petit peu de... Hein, deux? C'est bien de garder un peu de mystère. Oui, mais... Quand? Mais on verra, je sais pas. Elle est bien? Oui. Il y a un titre, de toute façon, il est déposé, la société d'édition. Donc, oui, et donc ça s'appelle... Je sais pas, ça s'appelle Je sais pas. Il aime beaucoup la langue française. Ça s'appelle Je sais pas. L'envie de monter sur scène, de continuer sur scène. Et donc là, ça veut dire qu'au printemps, tu pars en tournée. En tout cas, même s'il n'y a pas des dates précises, l'envie est là. Il n'y a pas de date, mais j'ai très envie. Oui. D'accord, très bien. En tout cas, elle est venue et elle a bien chanté, elle s'est bien lâchée. Voici le coffret sur lequel il y a Terry Vangel, le DVD, le live, qui non sans humour s'appelle Stage Whispers. J'imagine que là aussi, c'est une autodérision. Ça veut dire, oui, mais ça veut dire aussi en aparté. D'accord.
Voilà, donc il y a même un jeu de mots sur le titre de l'album. Le DVD, le livret et Charlotte Gainsbourg, trop la classe. Merci Charlotte d'être venue en Taratata. Merci beaucoup. Merci.